lorsque les températures grimpent, garder votre maison fraîche peut devenir un véritable défi. Cet article vous propose des stratégies efficaces pour maintenir une atmosphère agréable chez vous pendant les périodes de chaleur, sans forcément recourir à la climatisation. Que ce soit par le choix des matériaux, l'optimisation de la ventilation ou l'utilisation judicieuse des appareils électroménagers, découvrez comment faire baisser la température de votre intérieur et profiter d'un confort optimal, même en plein été. Préparez-vous à affronter les fortes chaleurs avec sérénité grâce à nos conseils pratiques et faciles à mettre en œuvre. Impact de la chaleur extrême sur la santé et le bien-être. Comment maintenir une maison fraîche? Les vagues de chaleur peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être et notre santé, en particulier pour les personnes âgées ou vulnérables. Les symptômes varient de troubles du sommeil à la déshydratation, en passant par des maux de tête et des nausées. Dans ce contexte, il est crucial de garder sa maison au frais. Cependant, l'utilisation de la climatisation peut être coûteuse et a un impact environnemental significatif. Il existe heureusement d'autres moyens efficaces pour rafraîchir votre intérieur sans nuire à l'environnement. Des astuces quotidiennes pour une maison plus fraîche. Il est possible de rafraîchir votre intérieur sans recourir à des travaux coûteux. Commencez par ouvrir vos fenêtres la nuit pour faire entrer l'air frais, mais fermez-les dès le matin pour empêcher l'air chaud et les rayons du soleil d'entrer. Humidifiez vos sols et votre linge de maison pour créer un effet de refroidissement naturel. Limitez également l'utilisation d'appareils électriques qui génèrent de la chaleur. Pour un sommeil réparateur malgré la chaleur, envisagez d'investir dans un matelas à eau qui absorbe efficacement la chaleur corporelle. Ces gestes simples peuvent grandement contribuer à maintenir une température agréable chez vous. La végétalisation et l'isolation, des solutions naturelles pour une maison fraîche. Les plantes peuvent jouer un rôle clé dans le refroidissement de votre maison grâce à l'évapotranspiration, un processus par lequel elles libèrent de l'eau dans l'air. En végétalisant vos murs ou votre toit, vous pouvez réduire la température intérieure jusqu'à 4 degrés tout en purifiant l'air. Par ailleurs, des travaux d'isolation comme l'installation de double vitrage, l'utilisation de matériaux isolants ou encore l'application de films solaires peuvent aider à conserver la fraîcheur à l'intérieur. Opter pour une couleur blanche pour le revêtement extérieur peut également être bénéfique car elle réfléchit les rayons du soleil. Des techniques innovantes comme le cool roof ou les systèmes de puits peuvent aussi contribuer à rafraîchir votre maison. L'ajout de végétation sur les murs ou le toit, en combinaison avec d'autres méthodes de refroidissement, peut permettre de créer un environnement intérieur plus confortable et agréable. De plus, ces solutions écologiques peuvent également aider à réduire votre consommation d'énergie et vos factures.